L'analyse de l'information, tendance. Lundi 15 décembre 2014, le Nelis pour tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour Week Tendance, premier numéro nous pour semaine ça. M'espérez que vous passez un très bon week-end sur Télésignal. Déjà, bonne semaine d'information sous chaîne 56, Digital Cable 112, Télésignal. Week Tendance entre la caille nous, aujourd'hui nous parlons parler politique puisque pendant le week-end, nous avons pu le causer qui passait dans la République. Chef gouvernement, Laurent Salvador Lamotte, remet démission. Monsieur Lamotte, nous avons un message préenregistré qui durait plus passer 15 minutes. Fait éloge d'une série de réalisations que le gouvernement l'a rivé réaliser pendant la tête primature. Là. Et il estime aujourd'hui à crise politique là, si c'est démission qui est capable de joindre une solution à la crise libre pour faire. Et il dit d'y aller avec un sentiment de devoir bien accompli. Pour nous commenter question ça, invitez-nous aujourd'hui, c'est M. Anthony Barbier du Moupod. Nous prenons le cause avec lui, j'en connais là, c'est après pause là. Travailler pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrice. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci pour fidélité et attention nous pour Télésignal. Place à inviter nous, M. Anthony Barbier de Moupod. Avec lui, nous pour le commenter d'émission, chef gouvernement Laurent Salvador Lamotte. Bonsoir, M. Barbier. C'est avec un pile plaisir de vous recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir, Tamara. C'est pour moi un pile plaisir tout pour nous faire l'émission. Donc, autant que moi capable, on va essayer d'analyser avant. Tout à fait. Je dis un peu mettre que Mado, comment va le Moupod? Est-ce que nous sentons que nous presque sautons dans le tunnel là, puisque dès le départ, préoccupation Moupod, c'était on montait un conseil électoral à la lumière de l'article 289, renvoi Premier ministre et renvoi tout de Michel Martelly. Je dis, Premier ministre, là, allez, est-ce que nous sentons que nous presque sortis dans la bouche tunnel là? Toi, ça dit là, c'était comme d'ado, c'est porte là pour ouvrir. Il y a pour ouvrir porte pour le processus la démarrer. Mais jusqu'à présent, il y a un Premier ministre là, qui dit le démissionner, ok, nous ne pouvons pas avoir lettre de démission. Hein. Ni non plus tout, le démissionnaire, son problème l'ouvrir parce qu'il faut le constituer un gouvernement crédible, qui peut organiser des élections crédibles. Donc, le fait qu'il démissionne seulement, et puis nous ne pouvons pas qu'on président pas ban nous, qui gêne pour mener le processus là pour arriver à une nomination pour le prochain gouvernement. Donc, le problème n'a fait commencer. Ça, c'est une. Et deux, mon pote t'a toujours dit, compte tenu de gens, côté nous y est aujourd'hui, c'est le président Martelly qui mène nous là. Donc, le président Martelly fait partie du problème, il ne fait pas partie des solutions. Mais malgré tout, nous dit s'il voulait faire partie des solutions, nous sommes prêts pour négocier avec elle pour que nous joignions une solution. Mais il ne faut pas mettre en tête lui, que lui-même lui fait partie des solutions, il fait partie du problème là, et que seul un processus de négociation, qui permet d'intégrer la richesse solution au pays. Nous avons bien aimé ça parce que nous avons bien aimé que
c'est haïtien qui joue une solution au problème pays plutôt que c'est étranger qui vient imposer. Chaque fois mon pote parler de négociation, on me demande aujourd'hui nous pas négocier qui ça. C'est vrai que dans série de consultations yo, ça pas jamais venu sur le tapis que Michel Martelly président pays a toujours esquivé ces questions de parler. Est-ce que aujourd'hui à un niveau mon pote, je n'ai gain pour discuter ou bien dialoguer, négocier avec chef l'État question de parler sur table tout. Certainement pas dans le sens comme si pour exiger l'île, mais ça fait partie de la négociation. Si par exemple nous vivons en haut, nous ouais. Que c'est mieux que nous fassions des élections anticipées que le président Matéli peut aller. Donc, nous commandons ça. Nous commandons ça. C'est parce que si la commission consultative que lui-même a créée, nous pas rencontré la commission, ça, ni nous pas reconnaître. Mais il n'empêche que. Nous pas cherché à rencontrer avec nous. Demandez-nous ça. Oui, nous avons cherché. Mais nous pas voulu parce que nous pas qu'à le moment. Nous avons demandé au président pour négocier et puis pour consulter avec la commission. Bon, la commission, nous avons un bon monde là-dedans. C'est des camarades de lutte pendant longtemps. Donc, nous n'avons pas entrer dans cause de ça. Et la commission a proposé l'essentiel de ça que nous avons demandé. Okay? C'est comme si vous faites écho de ça que nous avons demandé. Oui, vous faites écho de ça que nous avons demandé. Mais ça, c'est des, ça me t'arrive des préalables pour au moins ou soit demander ça nous négocier. On va négocier qui ça? Bon, nous allons négocier d'abord la formation du gouvernement. Si nous voulons un gouvernement qui pour mener les élections, que dit parce que nous-mêmes démocrates, nous avons élection, nous voulons pouvoir, nous avons besoin de pouvoir. Donc pour aller élection, nous-mêmes nous voulons gagner un gouvernement que dit façon gouvernement ça monter. Donc là, c'est extrêmement important pour nous. Ok, CEP, appareil électoral ça. C'est un bagage qui est clé, parce que c'est lui qui renouvelait la classe politique. Là, okay? Nous disons qu'il faut que nous ayons un CEP crédible, donc il faut aller chercher des personnalités crédibles. Donc là tout, nous voulons, avec le président, à choisir monde qui peut faire partie de CEP. Ça. Oui, chaque fois que nous citons CEP crédible, c'est parce que je ne connais pas le laboratoire en Haïti qui a pris un monde qui a gardé un monde crédible. Sur qui ça nous va définir la crédibilité citoyenne. Est-ce que c'est en fonction de passé? Non. Puisque ce n'est pas chaud, nous allons faire l'élection pour la première fois. J'ai l'équipe, ça remet deal. Plein de monde crédible. Il n'y a pas de monde qui a dit, ou tu as dit, bon, ok, là, je vais vivre la chance. M'attendez. Parce que quand même, histoire mon nom. Non, même dans CEP, ça que nous avons renvoi là, gain pour la plupart des mondes crédibles là-dedans. Ma bon exemple très simple. Jusqu'à présent, nous toujours contesté, mais nous toujours reconnaître la crédibilité Léopold. Nous toujours reconnaître que son monde crédible, son monde qui est capable. Ce n'est pas nous mettre lui, mais nous reconnaître la crédibilité. Mais celle-là, dans CEP, n'a pas suffi. OK? Et Némi était choisi par ANMH. Par contre, n'est mis suffisamment pour jouer sous crédibilité, mais le fait que une organisation tant qu'on ait même choisi, nous dit nous compter sur lui. OK, donc dans sens ça, choisir des monde crédible, nous connaît, nous gain monde crédible dans le pays. Donc nous capable garder dans discussion avec le président pour que c'est pas un mille livres les mettez seulement. Mais même dans question commission, ça c'est vrai que nous dit que nous pas rencontrer avec eux et nous pas lié vraiment avec recommandation, mais gagner des bagailles que le mandé. Par exemple, il demandait des sacrifices. Sacrifice en demandé faut que nous-mêmes de l'autre côté de la barrière nous t'amener nous disponible pour nous rencontrer chef l'État pendant période de calendrier que nous mettait dehors. Est-ce que nous-mêmes nous d'avis nous favorable à de telles rencontres? Avant commission, nous t'a demandé pour chef d'État rencontre. Nous te balle condition. On te dit qu'il faut libérer les prisonniers politiques. Ça, nous commençons à faire. Le faire. Nous commençons, puisque nous sommes toujours en prison selon nous-mêmes. Oh bien, non, et pas selon nous-mêmes. Écoute, les frères Forestal, c'est tellement connu. Donc, il y a toujours des gens en prison. Bon, ok, mais ça, là encore, nous sommes capables d'entamer des négociations avec elles. Nous te dit qu'il faut nommer un intermédiaire. Pour nous préparer l'agenda discussion. Mais là, il y a un gros problème, M. Barbier. Yeah. Nous parlons créole, lui parlons parle créole. Nous sommes deux Haïtiens. Ça veut dire, pas gagner une commission que nous allons porter. Je pense que lui connaît position. Nous-mêmes, nous connaissons position. Pour qui ça nous besoin d'un intermédiaire qui nous prépare l'agenda? Ah, non. Et parce que le président Matéli, c'est le président de la République qu'il est. OK? Donc, il n'y a pas toute discussion, il prend le petit temps le fait. Donc, il faut gagner des gens qui préparent l'agenda, qui disent, bon, mais de qui ça nous prend le parler, mais qui ont même méthodologie nous prend le suivre. Et puis, là, il vient, il a conformé la ligne, nous-mêmes, nous avons conformé nous à la ligne. Mais le fait que s'il pas désigné à l'avance, donc, ça nous prend l'entrée. En tout cas, l'on perte de temps qui a passé. Pour bluff, coquinerie, donc pour éviter ça, nous dit
voyez une équipe conseiller qui capable préparer agenda et puis nous t'aimer un et pas un intermédiaire en tant que tel mais un comment dire facilitateur un médiateur. Mm-hmm. Mais pour que ça l'ambassade américaine nous demande nous rencontre, par contre nous avons un agenda, nous sommes très favorables pour nous rencontrer, on ne va pas demander d'intermédiaire. Nous ne pouvons pas discuter, nous ne pouvons pas négocier avec l'ambassade américaine. Non, l'ambassade américaine écrit nous, il dit nous, il t'a aimé rencontrer pour le temps de point de vue nous sur la crise. Mm-hmm. Nous rencontrons, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Nous n'avons pas allé, bien que tout ça nous dit en radio, mais nous n'avons pas dit en radio, donc nous n'avons pas qu'à dire. Donc il s'est fait nous aller rencontrer sans parler en pile. Non, on nous retourner sur la question et commission, sur calendrier. Ça veut dire nous-mêmes si déjà il y a des signaux qui voyaient. Donc si chef d'État a fait appel avec nous pour négocier la question participation dans le gouvernement, nous a négocier, pas dit participer mais nous a négocier sur éventuel. Non, nous tient à négocier formation gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'on a participé. Mm-hmm. Nous ne devons pas participer, mais nous assurons nous que les gens qui ont mis, ce n'est pas des gens qui parlent contre nous, ce n'est pas des gens qui parlent bloquer le processus là quand même, genre ça que tu es là à te faire. Donc nous sommes prêts pour nous négocier certainement. Et ensuite, chef d'État par quand il crée le relais, nous avons tout un aménagement pour faire pour que nous négocions le processus là. Gonforme. Donc nous avons exigé forme dans certainement. Par exemple, président par qu'à faire comme si l'institution était là. On prend la panne écrit le président Sénat, l'après le président Chambre des députés, et puis le choisir pour le ministre, après ça le convoquer la Chambre pour une faire, et puis après ça le renvoyer la Chambre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Mm-hmm. Donc, il faut entrer dans tout un processus de négociation pour nous garder concrètement qui j'en a sauvé l'institution, qui t'aime piquer toujours. Mm-hmm. Ok? Jusqu'à et décembre 2012, mm-hmm. Ok? Nous avons deux dangers qui nous lancé. Mon premier danger, son bouillie vidée électorale, ok, et ça c'est la mode qui était plus chaud pour le faire. Mm-hmm. Un bouillie vidée électorale qui t'a permis que yo prenne élection, hein, yo nomme des sénateurs et des députés, mm-hmm. et puis la mode Kevin président, on est à l'aise. Donc nous t'es metté avec un parti, en tout cas le groupe des six mm-hmm. au niveau du Sénat pour nous faire résistance contre ça, parce que blanc américain était derrière tout, mm-hmm. parce qu'il a besoin de bagaille ça pour un bonne bagaille de besoin. Donc pour nous faire ça, nous te faire résistance. Nous faire résistance avec le groupe des six pour nous faire ça. On résistance qui marchait. Il marchait. Non, mais deuxième bagarre là, où il y a un vide institutionnel qui menace nous pour bagarre là. Il faut régler la question ça. Permettre que nous retournions sur le vide institutionnel dans la deuxième partie de l'émission. Nous avons proposé et puis nous avons retourné. D'accord. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en m'en vois. Le RI, juste le RI. Diri numéro 1. Oh, yeah. Allez là. Zéro. Diri numéro 2. Oh, yeah. On fait carrément zéro ici. Diri numéro 3. Sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. On est gratin à date ça. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante,
Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons à présent, deuxième partie, rubrique tendance. Si vous faites connecter nous, invitez nous aujourd'hui, c'est M. Anthony Barbier, de Mouvement Patriotique de l'Opposition Démocratique, MOPOD, avec lui, nous commenté démission, chef gouvernement, Laurent Salvador Lamotte, et gardez tout, perspective avec rapport commission consultative, ça. Mais M. Barbier, c'est intéressant, oui, non, pour les partis, nous tapons deux dangers. Uh-huh. Mon premier danger, c'est bouillie vidée électorale, là. Uh-huh. Nous éviter avec résistance, avec participation, alliance, groupe des six au Sénat, que nous faisons un groupe des six partis politiques, nous mettons ensemble, nous résister contre bagaille ça. Vide institutionnel là, qu'on a c'est l'écrité. Lui là. Comment on va le combler là? Comment on va l'éviter? Non, on va le combler. Il faut nous joindre avec le président de la République là, une formule pour nous négocier question vide institutionnel là. Est-ce que nous allons l'entrer, par exemple, commission de un bagage qui grave, commission dit que le président apprend un seul décret, le décret électoral. De quel décret électoral le président apprend? Le président ne doit pas prendre un décret électoral, il ne doit pas prendre un décret du tout. La constitution n'a pas autorisé ça. Non, mais on se connaît, M. Babi, pas n'importe. Il ne doit pas prendre des crédits tout parce que par un parlement. Un pour quatre figures rapides. Je vais utiliser si parce que si un parlement. On se dit non. Mais quatre figures, je vais prendre. Je vais dire si parce que avec si je vais fourrer par une bouteille. Nous, cas côté, nous arrivons. Ou bien opposition tellement fait pression populaire, pression là où il y a. Et puis Michel Martelly y allait. Il y a un gouvernement provisoire qui monte. Gouvernement provisoire, ça peut monter avec tout député, tout sénateur pour faire 50e législature. Il va être obligé de diriger par décret. Toutes décisions pour le prendre par décret. Oui, mais. Non, mais ça n'a pas évité, n'a pas quand même. Non, son gouvernement de facto lié. Avec de facto, il normal, il a dirigé par décret. Non, il n'a pas droit de diriger par décret. Mais il a droit de prendre un décret juste pour faire élection. Mais pour ça, s'il était, il n'a pas prendre. Ça, s'il était, il faut d'accord de facto. S'il est d'accord de facto. Parce qu'en tant que président constitutionnel, il n'a pas droit. Il n'a pas qu'à exister sans parlement. Et c'est une raison que fait le Sénat. Et en permanent. Donc, par exemple, n'a prêté 11 élus, 10 sénateurs plus président. Mais ils sont tous non fonctionnels. Donc, c'est ça qui m'a dit qu'il faut négocier un bagage qui pour permettre que nous sortions dans la logique ça, et puis nous jouons une formule pour nous faire des élections le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Par exemple, si nous avons un accord là, avant 2 janvier, si nous faisons discussion avant 2 janvier, les gens doivent convoquer le Parlement à l'extraordinaire et puis nous votons la loi électorale. Mais bon, ok, on comprend mieux cela, très belle approche, mais monsieur Babi, ça qui est important que nous avons toujours arrivé dans l'échéance constitutionnelle, l'échéance électorale, pas jamais respecter, c'est parce que nous avons fait élection à temps. Bon, selon nous-mêmes, la pratique politique, l'autre, ça fait nous avons arrivé là. Parce que le président, toujours, depuis le monté, depuis le premier jour, le monté à la campagne, en vérité pour tout temps. Donc, c'est une raison. La constitution 1987 a créé une institution qui est le conseil électoral permanent. Vous comprenez? Il n'est pas provisoire. Le conseil électoral, ça, c'est lui responsable de l'équilibre politique qu'a fait là. OK? Eh bien, le président, yo, depuis Aristide, arrivé sous Matéli, en passant par militaire, arrivé sous Matéli, en passant par Aristide et par Préval, ils ont toujours refusé faire élection à temps et ils ont refusé. Et pérenniser le conseil électoral. Là. Donc, au lieu de ne pas changer le conseil électoral permanent, nous toujours un électoral provisoire parce que ça permet au président toujours mettre main sur l'appareil. Donc, il a inventé des choses. Par exemple, bon, Préval a inventé une qui était extraordinaire. Préval a inventé ça relé et un centre de qui pour valider vote. De telle sorte que ce ne sont pas ceux qui votent qui comptent, ce sont ceux qui comptent les votes qui comptent. Parce que c'est centre électoral ça qui pral dit mais vote qui valide mais vote qui pas valide donc OK a dit appareil électoral là vinn gagner un ensemble de mécanismes là-dedans qui fait que il permettent que président pour faire Matéli pas faire élection parce que la tête lui il devine pour compte lui il pas gagner base politique. Donc, il dit tout le temps pas maîtriser champ politique là. Donc, il s'est fait, il bat tête le temps, il fait partie politique lui, mais
elle va se résider là au monde fait partie politique non chaque sorti chaque qui vient qui sorti à une poche c'est parce que son bon outsider elle cherche à exister pour contre donc le venir la faute on va faire politique tout hein non c'est pas faute nous va chercher peut-être venir d'accord non c'est pas nous va chercher mais il peut-être venir il peut-être venir pour ça nous prend tout non il va nous prend yo c'est que bon paquet de bagages imposé yo par exemple Aristide Aristide là Aristide vini Aristide te gagné et appui et ti l'église OK que nous terrain mais ça que nous pas terrain mais ça c'était les forces sociales qui étaient animées pour ces de changement right donc Aristide le ti l'église a venu à Aristide n'oublie pas que il n'oublie pas OK ou après tout parti politique yo t'es appuyé Aristide mais il fait des rives OK bon Matéli lui-même ça pas le problème c'est parce qu'elle pas dans champ politique là du tout il pas dans champ politique là champ côté LDA c'est pour un champ qui intéresse les hommes politiques. L'église est toujours intéressée les hommes politiques mais pas la musique. On prend nous quand on fait parfois. On prend la majorité nèg politique ça yo, c'est des austères, c'est des nèg, on c'est Tito Picana yo. On prend mais c'est là pas des monde qui est intéressé dans chant musical là. Donc laisse ça Matéli pas gain lien avec homme politique yo. Donc l'olvina comme il pas gain moyen pour dominer en tout cas pour l'entrée dans le champ politique là et puis il soulever tout contre lui et donc quand il y a un problème il crée parti lui mais parti a pas qu'à fournir parce que organiser un parti politique en Haïti c'est pas il plus facile pour un pouvoir que pour organiser un parti parce que pour un pouvoir j'ai regardé Matéli rencontré madame Clinton m'a dit qui ça dit madame Clinton dit rencontrer trois monde on rencontre trois monde dont il faut et c'est faut à le donc c'est parce que faut attendre des longs bagages il a besoin donc et puis effectivement Noël au Avini Loi a dit tout le monde vraiment yo dit faut jute sorti par contre de qui doit ouais et yo dit faut jute sorti après ça yo commencé éliminer voix jude yo commencé éliminer voix après ça dans deuxième tour dans deuxième tour yo commencé entrer après éliminer voix madame Aninga jusqu'à ce que Matéli gagne donc et donc c'est pas classe politique là qu'elle cherche classe politique la victime de ça OK parce que fait politique l'on pays en Haïti côté gain 90% monde qui exclut et appauvri, on prend les, c'est pas une chose facile. Mais quand on a demandé, on me demande nous qui ça n'a fait pour ça va arriver encore. Moi, je pense que premier bagage pour nous faire. Parce que pareil avec 60 candidats, mais 54 candidats à la présidentielle du. Je pense que c'est premier bagage pour nous chercher à éliminer. Faut qu'il y ait des mouvements politiques qui regroupent champs, qui regroupent courants, ok. Je dis à la dynamique mondiale là. À cette affaire droite gauche pas valable encore. On va regarder même en France. En France, côté Bakay sa originaire, on prend le Parti socialiste là, elle cherche un premier ministre de droite. OK. Et même UMPA, un paquet et socialiste qu'elle là-dedans plutôt. Donc c'est parce que clivage droite gauche là pas valable même gens encore. Et je dis moi, je pense qu'en Haïti, il faut que nous ayons un mouvement politique qui regroupe nous autour de revendications patriotiques, parce que nous avons un pays pour nous sauver, nous avons l'État pour nous refonder, nous avons une nation pour nous refonder. Donc, il faut chercher des regroupements politiques qui sont plus larges que simplement des partis politiques, parce qu'en Haïti, les partis politiques ne représentent pas des catégories déterminées. Donc, pour nous sortir de ça, moi, je pense que c'est dans ça que nous faisons pod. Mon pod créer justement créer un espace de mobilisation et de participation politique côté pour nous dire pour nous faire un changement à la fois démocratique et populaire. Un changement à la fois démocratique et populaire. Merci en pile monsieur Barbier parce que vous avez répondu à l'invitation, nous bon travail, n'espérez pas parler l'autre fois. Merci Tamara, ça a été un plaisir. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était monsieur Anthony Barbier de Mouvement Patriotique de l'Opposition Démocratique avec lui nous tape commentaire d'émission Laurent Salvador Lamotte notre tête primature là qui ça demain apporté est-ce que crise n'a a besoin de solution avec démission monsieur Lamotte notre tête primature là mais grand pile monde qui pensait grand pile forcing toujours qui t'a dû faire pour mettre tout acteur au chita pour nous éviter ça tout le monde peut arriver en 12 janvier 2015 côté c'est pour le vide institutionnel là. Merci en pile pour fidélité et attention nous rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.